Bonjour à tous, je viens de créer en fait une banque de sons pour le Roland D-50 à base de sons plutôt analogiques. Et l'un des sons très demandés est celui de la Talkbox. En fait, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une forme d'onde de type sawtooth. Et en fait, vous l'injectez dans votre tuyau, dans votre Talkbox, et ça donne ça. Revolution is only love. Alors pour ce programme en fait j'ai programmé l'aftertouch. Derrière l'aftertouch en fait vous avez le vibrato qui est simplement un petit LFO qui est programmé. Et vous avez exactement le même effet avec la même variation sur la molette de modulation. Ce qui fait que ça gagne vraiment en expressivité, en expression. Lorsque vous jouez en fait vous n'avez pas forcément besoin de vous concentrer sur la molette de modulation. Puisque la plupart du temps vous allez plutôt faire du pitch bend et vous aurez du mal sur le D50 à faire les deux à la fois de façon très précise. Moi ce que je vous conseille c'est plutôt d'utiliser mon patch avec le pitch bend comme cela. Bon là c'est un contre-exemple, j'utilise la modulation en même temps, mais vous verrez que c'est pas forcément évident d'être très précis. En tout cas vous avez bien entendu le pitch bend, je recommence. Voilà, ça c'est le pitch bend. Et derrière, ce que vous allez faire, c'est utiliser l'aftertouch simplement. Je vais appuyer sur un La 4, et vous allez entendre le son qui va vibrer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'ai déjà créé une banque de sons plutôt analogique pour le Yamaha DX7 deuxième génération, avec notamment plusieurs voices et performances à base de Talkbox, de Sound Brass. Je vais essayer de faire aussi bien pour le D50. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des suggestions de sons qui vous plairaient. Voilà, je vais vraiment donner le maximum pour cette nouvelle banque de sons pour le Roland D50. En tout cas, tout ça votre box et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!